Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur mon téléphone et je vais te montrer comment tu vas pouvoir vendre automatiquement grâce à WhatsApp. Donc là, on est sur ma page Facebook Business pour tous. Donc là, je suis sur ma page et tu peux voir que là, donc sous les posts que j'ai faits, à chaque fois, j'ai relié mon groupe WhatsApp. Donc après, bon, ça après, tu pourras inviter des personnes. Hein, ça après, je te laisse le loisir d'inviter qui tu veux dans ton groupe pour partager au maximum ton groupe pour avoir le plus de contacts possible. Donc là, moi, je l'ai lié et donc du coup, sur ma page Facebook, en dessous, là, c'est marqué à chaque fois ouvrir avec WhatsApp. Là, j'ai fait un nouveau post. Voilà, ouvrir avec WhatsApp. Là, si les personnes cliquent, elles vont directement arriver sur mon groupe WhatsApp. Donc là, si je le clique, et là, du coup, là j'arrive dessus. Et après, comme ça, je peux me parler. Après, ça va se passer côté WhatsApp. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir paramétrer ton compte. Donc déjà, il faut WhatsApp Business. Donc c'est gratuit. C'est le même, c'est exactement la même chose que le WhatsApp normal. Sauf que là, en fait, c'est le côté professionnel. Et tu vois que tu vas pouvoir régler plein de choses pour ton business. Donc il y a des outils professionnels. Tu vas pouvoir mettre ta boutique. Tu vas pouvoir mettre un message d'accueil, des réponses rapides, des étiquettes, et après surtout tu vas pouvoir partager ton lien. Et c'est ici que je te disais ajouter WhatsApp à vos comptes, là pour Facebook et Instagram. Comme ça va être lié, et donc du coup les personnes vont pouvoir directement, tu vas pouvoir les renvoyer ton audience dessus. Donc moi ce que j'ai fait pour que ça se passe tout seul, déjà j'ai créé un profil, donc voilà, Business pour tous, je l'ai appelé Maxime. J'ai fait une petite description, businesspourtous.com est un blog qui partage des articles, qui touche au monde du business. Chacun a envie de partager ce qu'il fait et peut devenir qui il veut. Viens montrer qui tu veux être. J'ai mis ça en formation. J'ai marqué ouvert 24 heures sur 24, une adresse mail et un site. Comme ça, si jamais les personnes viennent, au moins tu peux rediriger vers ton site. Elles peuvent te contacter. J'ai mis un numéro de téléphone. Donc ça, après, tu peux avoir des numéros gratuits ou alors à 3 euros. Je sais plus comment c'est avec on-off. C'est moins de 3 euros par mois, je crois. Il faudra que je regarde ça. Au pire, je le marquerai en description avec l'application on-off. Et ici, je mets le statut en occupé. Je vais te montrer après pourquoi. Là, tu peux mettre un catalogue. Donc là, si tu fais gérer le catalogue, tu peux rajouter des articles. C'est-à-dire que si tu vends des produits, si tu vends des produits, et ben là, tu peux les rajouter. Tu peux mettre le prix et les personnes vont pouvoir aussi acheter via WhatsApp, et du coup, après, ça va les rediriger sur une page de vente. Là, ça peut aussi être intéressant. Là, je pourrais mettre des formations, je pourrais mettre des produits, tout ça. Donc là, pour le profil professionnel, la catalogue, bah, ça revient là où j'étais tout à l'heure. Moi, là, ce que je me sers, ce que je voudrais te montrer, c'est message d'absence. Message d'absence, je coche envoyer un message d'absence, répondez automatiquement à un message lorsque vous êtes absent. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai coché statut occupé, ou alors tu peux mettre statut absent. Comme ça, après, je ferme WhatsApp, j'y touche jamais. Et dès qu'une personne va cliquer sur ma photo et m'écrire en MP, va me marquer je suis intéressé, je veux plus d'infos, elle va recevoir automatiquement ce message. Mon message d'absence, du coup, je l'ai rédigé. Salut, merci pour ton message. Si ce n'est pas encore fait, pense bien à récupérer ton e-book gratuit, diversifier tes sources de revenus. Ici, je l'envoie un lien vers mon e-book. Je partage de nombreux articles vers mon blog. J'envoie un lien vers mon blog. Et contenu régulier vers YouTube. Et après, j'envoie ma page YouTube. À très vite. Planning toujours envoyé, destinataire tout le monde. Je sauvegarde ça. Et derrière, on va aller voir ici toutes les personnes qui ont cliqué sur le lien et qui m'ont contacté. Salut, salut ici. Et ben, paf, ça envoie. J'espère que tu vas bien. Ici, groupe Telegram. Et derrière, on envoie le message. Et là, c'est pareil. C'est pareil pour tout le monde. Là, on peut les prendre. Ça envoie. On peut le prendre, ça envoie, et après il met très bien, à bientôt. Donc là, cette personne-là, elle a rejoint après le groupe, elle a rejoint la page. Ici, voilà, c'est ça que je t'ai pas montré. Message d'accueil, j'espère que tu vas bien, n'hésite pas à rejoindre le groupe Telegram. C'est pour ça que tout à l'heure il y avait ça. Donc ça, c'est assez puissant, puisqu'au final, je l'ai paramétré une fois, je mets après toujours envoyé et je me mets moi en occupé, et comme ça, je vois jamais les messages, j'ai jamais de notification, les personnes me contactent, et hop, ça redirige directement les personnes là où je veux les envoyer.
Après, si toi tu veux utiliser WhatsApp, derrière il y a des réponses rapides. Voilà, tu peux mettre, c'est des slash en fait, on peut faire slash merci, ça envoie directement une phrase, ou alors tu peux faire, je sais pas, slash boutique, ça peut mettre, je te redirige vers la boutique avec un lien, slash réseau derrière avec tous tes réseaux sociaux. Voilà, ça évite à chaque fois de taper la même chose. Étiquette, voilà, comme ça tu peux classer nouveaux clients, nouvelles commandes et tout, comme ça tu peux classer un peu tes prospects. Et après, lien, ça c'est pour partager WhatsApp. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment. Moi je, enfin, du coup, je m'en sers, ça tourne tout seul. Et c'est plutôt intéressant parce qu'au final, tout est lié. Et comme ça, je fais mes posts, ils sont liés à WhatsApp. Et derrière, bah, la personne qui me contacte, et bah, en fait, ça lui répond toute seule. Et comme ça, bah, derrière, moi, je peux partager mon e-book, ça lui renvoie derrière tout seul. Et comme ça, j'ai plus rien à gérer. Et comme ça, c'est plutôt intéressant pour diversifier aussi ses sources de revenus. En parlant de sources de revenus et de e-book, si tu ne l'as toujours pas, si tu n'as toujours pas écrit au WhatsApp, si tu n'es toujours pas sur le groupe Telegram, je te mets tout dans la description. Si tu as aimé ce petit tips en vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas surtout à le partager. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube. Moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao!